Hello tout le monde, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Moi c'est un petit peu la merde là, il me reste une minute à vivre parce que c'est tout simplement le but du jeu auquel on va jouer aujourd'hui. En fait, si vous voulez, le synopsis c'est qu'il y a une météorite qui va s'écraser sur la Terre et détruire absolument toute la race humaine, et elle va se détruire dans une minute très exactement. Donc ça veut dire que pendant une minute, il va falloir que je fasse absolument tout ce qui me passe par la tête. Si j'ai envie de venir près d'une femme, de la pécho comme ça, je peux le faire. Si j'ai envie de venir près d'un mec et de lui mettre un pain dans les deux narines, je peux le faire aussi également. On a le droit de faire absolument tout ce qu'on veut, mais seulement pendant une minute, parce que après c'est la mort assurée. Donc c'est parti, on va tester le jeu. Météor, 60 secondes, il me reste une minute à vivre, donc profitons-en. Flash info, la NASA vient de déclarer qu'un astéroïde allait s'écraser sur la Terre et provoquer sa destruction. Étonnamment, la NASA a également déclaré que nous n'avons plus que 60 secondes à vivre avant que la Terre ne soit détruite. Quoi? J'ai seulement 60 secondes à vivre? Putain, aujourd'hui était mon premier jour comme présentateur télé, 20 ans que j'attendais ça. Après tout, je m'en fous de cette carrière de journaliste télé maintenant. Il se met à poil, ok, carrément. Allez tous vous faire... Vous avez compris? Ouais, ok, bon bah il a bien raison, de toute façon il va mourir. Quoi? Est-ce que la Terre va vraiment être détruite? J'y crois pas. Qu'est-ce que je devrais faire du reste de ma vie en seulement 60 putains de secondes? Est-ce que je peux faire tout ce que je veux? Même si c'est illégal? Et si je plantais un pommier? Putain, j'ai pas le temps de penser à ça. Allez, c'est parti. Ok, bon bah c'est parti les amis. Comme vous pouvez le constater ici, on a effectivement une minute seulement pour pouvoir jouer et faire ce qu'on veut les amis. Donc on est ce personnage en bleu, et si j'ai envie par exemple de venir près d'un mec comme ça et de le frapper, je peux le faire. Voilà, tu fais vraiment ce que tu veux. Il y a même un mec à poil, je pense que ça doit être le présentateur à mon avis. Mais pas que, regardez, si je viens près du joueur de baseball et que je lui mets un bisou, bah il est pas content apparemment. Hein. Il m'a mis un gros coup de batte de baseball, donc je vais essayer sur lui. Oh, lui ça l'a pas dérangé d'ailleurs, il m'a donné une batte de baseball, c'est parfait. Comme ça je peux dégommer, hop, le joueur de baseball qui n'a pas apprécié mon bisou. Voilà, ça t'apprendra mon gars. Ok, là on est dans le métro ici, il y a un couple ici. Ok, ta copine, c'est ma copine maintenant. Ah bah non, elle me met des claques. Ok, bon bah alors la copine va dégager aussi. Il y a une fille en maillot de bain, hein, elle se dit quitte à crever, autant être à l'aise, surtout qu'il fait très chaud, donc autant se mettre au frais avant de mourir. Donc là je suis vraiment juste en train littéralement de faire des home runs avec tous les personnes du métro. Hop, désolé mec, t'as rien demandé. Le mec il lui reste une minute à vivre, il se pose pas de questions. Vous êtes un peu serein quand même pour des gens qui vont mourir là. Attends, il y a des panneaux ici. Dégage, je veux aller jusque là-bas, je veux voir ce que c'est. C'est quoi? Oh, il y a une fusée. Il faut qu'on tente de prendre la fusée, les amis. On va peut-être réussir à survivre. Parce que là, bah, la météorite est là et du coup, la Terre est détruite. Donc, je suis mort, littéralement. Enfin, je suis mort. J'ai vécu une belle vie. Je vois que du blanc autour de moi. Où suis-je? Au paradis? C'est fini. On se réveille. Ah, c'est juste un rêve, hein? Où suis-je? Ah, j'étais chez un psy. Vous venez de passer un test diagnostique de personnalité qui inclut la réalité virtuelle. Quoi? De la réalité virtuelle? Donc, la Terre n'a pas été détruite? En effet, notre toute dernière technologie fonctionne comme dans Matrix. Cela vous permet de vivre une vie virtuelle en peu de temps. En analysant votre comportement, cela nous aide à connaître... Putain, bah, vu ce que j'ai fait, à mon avis, le résultat, mon gars, le résumé de ma personnalité, bah, ça va pas être fou, hein. Votre vraie personnalité. Enfin, je devrais aussi vous dire que votre famille a été témoin de toute la scène. Oh, oh... Ah bah là, je crois qu'ils ont été choqués un petit peu, hein. Quoi? Maman, ma petite amie Jin-Yoon et mon neveu de 5 ans, vous êtes tous en train de regarder? Mon fils, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu es vraiment moins que rien. Comment peux-tu encore te considérer humain? Tu es psychopathe ou quoi? Je ne peux pas croire que tu aies choisi de tuer tous ces gens. Je pense que l'on fera mieux de se séparer. Tonton, pourquoi est-ce que tu étais en train de rire et de tuer tous ces gens? C'était drôle. Moi aussi, je veux devenir un meurtrier trop cool comme toi quand je serai grand. Non, non, Bélé. Ok, bon, bah là, c'est la merde. Du coup, j'étais renié par ma mère. Je me suis fait larguer par ma chérie. Et j'ai peut-être l'admiration de mon neveu, mais qui va devenir un futur psychopathe s'il suit les traces, bah, mes traces à moi. Donc là, je vais essayer de taper personne. Je vais juste essayer d'atteindre la fusée, les amis, pour voir s'il y a moyen de s'échapper. Peut-être de survivre, être le seul survivant face à cette météorite de taré. Ok, c'est parti, ça commence. Là, on n'a pas le temps de niaiser, on ira voir à la prochaine game ce qu'il y a à gauche. Mais là, il faut vraiment que je fasse pas de bisous à des gens, parce que sinon, je vais me faire larguer. Donc là, le but, c'est vraiment de, hop, dégager les panneaux et voir s'il y a moyen de... Ah, je peux pas. Ah, je suis désolé, je suis obligé de le frapper. J'ai pas de batte de baseball. À mon avis, il faut une batte de baseball. Ok, ok, j'ai compris. Je vais aller embrasser du coup le joueur de baseball qui m'avait donné gratuitement sa batte de baseball. Donc, c'est-à-dire celui-là. Je te fais un petit bisou. Il lâche du coup sa batte de baseball, c'est parfait. Et avec ça, normalement, je vais pouvoir corriger le flic qui me bloque l'accès à la fusée. Attention, vous êtes prêts? Ça dégage. Je peux pas. Et si je fais un bisou, peut-être? Je peux pas. J'arrive pas. Oh, c'est bon. Ok, c'est bon. À mon avis, ils vont dire, ouais, vous avez tué quelqu'un et tout pour sauver votre peau. Mais là, en vrai, je vais... Mais non, me dis pas que... Mais me dis pas que je fonce. Mais j'ai peut-être sauvé alors les humains. Ah non, c'est bon, je suis sur l'espace. Enfin, dans l'espace, du coup.
sur l'espace, ça veut rien dire. Je suis dans l'espace. Oh, temps écoulé. Du coup, j'ai pété ma fusée. Mais qu'est-ce qui se passe alors avec moi là? Du coup, c'est quoi le scénario là? Comment ça va se passer du coup? Je ne sais pas là, je peux m'attendre à tout avec ce jeu. Ok, là, c'est la réaction du coup de mes proches. Mon fils, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu es vraiment un manque rien, mais sérieux? Le psychopathe ou quoi? Je ne veux pas croire que tu aies choisi de tuer tous ces gens. Je pense que l'on ferait mieux de se séparer. Pourtant, pourquoi est-ce que... Mais j'ai pris la fusée! J'ai pris la fusée pourtant! J'étais dans l'espace et tout. Moi, je pensais pouvoir, je sais pas, avoir un truc différent. Bah, apparemment, pas du tout. Très bien. Oh, les amis, je viens d'avoir une information de fou. Apparemment, on peut contrôler la fusée pour justement échapper peut-être à la météorite. On va voir, on va réessayer. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que là, je vais avoir une autre fin, je sais pas. Ok, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Joueur de baseball, je te fais un petit bisou. Merci bien. Je récupère ta batte. Il y avait un chien à gauche. On ira le voir à la prochaine run. Alors, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Toi. Boum! Voilà. Tu fais moi le malin maintenant. Ok. Attention, attention, attention. Oui, 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 c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. J'esquive du coup la météorite. Magnifique, parce que j'étais posé en fait sur la météorite tout à l'heure. Alors que là, j'arrive à m'échapper car je suis dans l'espace. Incroyable. Trop, trop, trop bien. Évasion solo, let's go. Du coup, comment vont réagir mes proches maintenant? Par contre, ouais, voilà, ça change rien au fait que la Terre a explosé. Quoi? Normalement, le programme aurait dû finir automatiquement. J'ai rencontré un problème imprévu en tant que développeur de ce programme. Je ne pensais même pas qu'on puisse échapper seul avec la fusée. Oh mon dieu. Je viens de niquer le système, gros. Mais du coup, ils vont dire quoi? Que je suis intelligent? Non, réveille-toi, mon fils. Je pensais que tu étais... Ah mais ouais, en gros, je suis bloqué dans le truc. Je pensais que tu étais monté dans la fusée pour faire exploser la météorite. Mais tu l'as prise pour survivre seul. Je ne pensais pas que tu étais si égoïste. Je pense qu'on ferait mieux de se séparer. Bon, bah, rip, ma mère, elle est complètement apeurée. Ma copine me quitte. Oh, je comprends, il y a un plus important que sa propre vie, n'est-ce pas, tonton? Ok, je vais aussi m'échapper comme un lâche quand il y aura un danger. Comme toi, tonton. Ok, bon, bah lui, il est vraiment en train de suivre mes traces, mais je pense pas que ce soit le bon plan. En tout cas, j'ai débloqué une fin spéciale, trop bien. Ok, les amis, apparemment, il y a un truc de fou à tester avec le chien. Si on lui trouve une femelle, on va pouvoir l'occuper un peu. Donc là, il y a la femelle, mais du coup, je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir faire. Attends, on va dégager la poubelle. Parce qu'apparemment, on peut avoir une fin un petit peu spéciale en allant dans le laboratoire qui est caché derrière le chien. Sauf que, voilà, le problème, c'est que, voilà, si je lui fais ça, il n'est pas content. Donc, comment est-ce que je pourrais faire? Peut-être que si je fais ça... Ok, grâce à ça, le chien me suit. Allez, 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 on va faire un couple, là. On va former un couple de chiens. Vite, 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 vite. Comme ça, ça va occuper le chien ici. Parfait, parfait. Donc là, je peux rentrer dans le laboratoire. Il y a des militaires. Est-ce que je... tente de prendre une batte de baseball au cas où? Ok, je prends une batte de baseball au cas où, les amis. Il y a une bombe nucléaire que je peux piquer, en fait, ici. Attends, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Merde. Oh, ok, faut que je pète ça, à mon avis. Ok, c'est ça. C'est sûrement ça. Attends, attends, attends. Vous avez un bouton nucléaire, cliquez dessus pour l'utiliser. Incroyable, je vais vraiment tout faire péter. Ça va péter. Ok, trop stylé. Alors là, je vais avoir une nouvelle fin. Là, c'est pas la météorite du coup qui va exploser la Terre, mais c'est la bombe nucléaire. Voilà, le mec il s'est dit, quitte à exploser, quitte à mourir, autant que je tue moi-même les gens. Donc je suis un véritable psychopathe en fait. Ok, donc comment est-ce que va réagir déjà le mec qui me fait les tests? Est-ce qu'il va me dire un truc ou pas par rapport à ça? Ou alors je pense que ce sera surtout la réaction. Ouais, c'est ça, vous venez de passer, machin. Ce sera surtout les proches en fait qui vont réagir différemment. Alors qu'est-ce qu'il dit, mon fils? Je pensais que c'était une bonne idée de faire ce test. Je suis d'accord, ce serait peut-être une bonne idée de l'isoler du reste de notre société, non. C'est le genre de personne qui fait du mal autour de lui quand il traverse une mauvaise passe. Utiliser une bombe nucléaire pour tuer tout le monde, c'est de la folie. Tonton, est-ce que tu pensais que c'était mieux de tous nous tuer vu qu'on allait tous mourir? Plus tard dans la vie, je vais tuer des gens avant de mourir, comme toi, tonton. Alors non. Donc là, j'ai gagné la fin, suicide collectif. Franchement, il est drôle ce jeu quand même. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Bon, ben les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez que je refasse peut-être une deuxième vidéo sur Meteor 60 secondes, demandez-le moi dans les commentaires. Ce serait avec plaisir, parce que je pense qu'il y a encore d'autres fins qu'on peut éventuellement faire ensemble et découvrir ensemble. C'est grave cool. N'hésitez pas à me dire également si vous connaissiez déjà le jeu ou pas. Et avant de partir, sinon tu connais la chanson, n'hésitez pas à exploser comme la météorite, la barre des likes comme jamais, à exploser aussi également, vous avez une minute pour le faire, la barre d'abonnement, activez la cloche. Et on se retrouve de toute façon très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles découvertes de jeux. C'était Fruit comme d'hab, prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.